Eh bien, salut à tous, c'est Nico, c'est bienvenue dans ce 8e épisode commenté de notre aventure sur Zelda Wind Waker HD. La dernière fois, on avait fait plusieurs choses, hein, plus de quêtes annexes. Tout d'abord, nous avions appris le chant du soleil, hein, qui permet de passer le jour en nuit et la nuit en jour. Donc ça, c'est vraiment pratique pour faire des quêtes secondaires, comme par exemple les enchères, et oui. Ça, il faut beaucoup de rubis. On a obtenu deux cartes au trésor. Et on a obtenu aussi un quart de cœur. On avait récupéré un autre quart de cœur également en cours de mer, hein, quand on était en mer. Et encore un autre quart de cœur grâce à la lettre. Donc là, nous allons nous diriger vers l'île du dragon où se cache un trésor encore une fois. Et en même temps... Oh, on y est monté d'un coup. Yes, on a enfin réussi. Bon, il y avait une bouteille ici, mais bon, on va pas les prendre toutes, hein. On en a bien assez. Allez, c'est parti. Et bah là, on va pas se diriger... Ah, attendez, attendez, attendez. Attendez, avant toute chose, on va donner à manger à ce poisson. Parce qu'on avait aussi découvert ces poissons-là dans le dernier épisode. Alors, objet, c'est ici. Ah bah, on va... Non. Voilà, super. Allez. Allez, allez, allez. Allez, Link. Oh là là. J'ai pas mis le vent dans la bonne direction, hein. Je suis désolé. Du coup, c'est un petit peu lent. Et j'ai un petit peu la flemme de... On y est presque, là. Ok. Waouh, c'est bon. Là, c'est bon, il vient. Ouais, super. C'est les hommes poissons en fait. Je crois que c'est ça leur nom. Salut petit gars. Je t'écoute. Je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Alors. Et voilà. On a la carte de Mercantile, c'est déjà bien. Il y a sur un cap de cette île un type qui danse nuit et jour. Je dois t'avouer que son style me désespère, mais ça c'est son problème. Par contre, à force de le voir faire, j'ai fini par mémoriser sa chorégraphie. Et bien sûr, j'ai essayé de faire comme lui, et bien, crois-moi, ce n'est pas si facile. Tiens, tu devrais essayer de le diriger avec ta baguette et... Ouais, ben, je l'ai déjà fait en fait dans le dernier épisode. Moi, quand j'ai l'estomac plein, j'ai la mémoire qui flanche. Waouh. Bon allez, c'est parti. D'ailleurs, sur la prochaine case, en fait, on n'a pas la carte, donc on va essayer de chercher le poisson. Et on reviendra à Mercantile lorsqu'on aura assez de rubis. Peut-être dans cet épisode, sûrement, d'ailleurs. Ou dans le prochain, je ne sais pas. Bon déjà, il faut trouver le poisson, ça serait bien. Ça serait bien, moi je dis. Alors cette île on l'avait déjà vue. Ouais bon je vais pas récupérer tout. Ouais, écoutez là je fais un petit peu de long en large mais vers l'est en fait. Pour voir où se trouverait le poisson en fait. Parce que là on ne le voit pas. Oh il y a encore des rubis ici. Oh, des mouettes. Bon, là, on se dirige plutôt vers le nord, en fait. Ouais. Oh, il y a des ennemis ici. Bon, allez. On va le réveiller. De toute façon, sur ce jeu, je prends tout mon temps. Voilà. Tu n'as pas le temps de réagir. Eh hey hey, là. Voilà, des rubis, des rubis. Un rubis bleu, c'est déjà bien. Non, le rubis. Ah, 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 il y a un halo lumineux là-bas. On va y aller. On va y aller. Regardez, vous voyez comme moi. On voit pas le poisson, par contre. On voit des mouettes. Oula, oh, il y a des orages. Alors, là. Yes, allez. Peut-être des rubis en plus.
ou un objet rare, hein, je ne sais pas. Mais souvent, ce sont des rubis. Hein. Et oui. Quand ça fait ce bruit-là, en général, bah, ce sont des rubis. Et je ne trouve pas le poisson. Bon, ici, on a déjà et on y est déjà allé. Oh, attendez, on va récupérer ça. Voilà, un petit rubis jaune, hein, c'est pas négligé. Ce n'est pas négligé. Par contre, j'aimerais bien trouver le poisson, mais je le trouve pas. Bon, c'est triste. Hein. C'est un peu triste. Bon bah, tant pis. Mais attendez, ouais, non, on l'a pas. Hein. Bon, là, on va arriver sur l'île du dragon. On arrive en fin de journée. Bon, on aurait pu pas s'en stresser tout non, on aurait eu encore des rubis. Mais là, ce qui nous intéresse... Alors, attendez. Voilà, c'est le trésor, tout simplement, qui se trouve au sud-ouest, en fait. Voilà, là, c'est le poisson de... Allez, une bouteille en plus. Ah, il est là-bas. Regardez. Là, c'est un halo lumineux, mais on voit, en fait... On voit son trait, et c'est un truc plus rare. Et ça disparaît plus vite aussi. Oh, ça doit être ici. Dans le mille! Dans le mille! Allez, allez. Allez, un bon truc, là. Un bon truc. Oh, un rubis argenté! 200 rubis! Super! Ah, alors là... Je rêvais pas mieux. Bon, on va remettre le vent en direction de l'ouest. Et c'est parti pour Mercantile. En plus, on y vient de nuit. Ça va être la nuit, c'est parfait. On a le poisson ici, bon. Ah, c'est un petit peu embêtant de ne pas savoir où est ce fichu poisson. D'ailleurs, dans fichu... Il y a le mot fish qui veut dire poisson. Bon, je vais arrêter avec ces blagues-là. Et les poissons sont des fichus, quoi. Pour moi, voilà. Mais bon. Bon, on se calme. Bah, allez, c'est parti pour Mercantile. Par contre, je voudrais... Ah non, ce sont des oiseaux là-bas. Il ne faut pas confondre. Ah, attendez. J'ai cru le voir. Il est là-bas. Oh là là, j'ai de bons yeux. Regardez, il est là-bas. Vous allez me dire, mais comment j'ai fait pour le voir? Ça tombe, je l'avais pas vu avant alors que vous l'aviez vu. Regardez, il est là. Il est là-bas. Et le soleil se couche. Ah, c'est beau ce jeu. Oh là là, je prends tellement de plaisir à le faire. Ah, oh, un bon moment. Je passe un bon moment sur ce jeu, franchement. Et en plus, on est près de Mercantile. C'est bien. Alors, bon, vous voyez, on peut pas, pour l'instant, s'éloigner hors des cases qu'on a déjà visitées, en fait. Par exemple, on peut pas aller ici, 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 enfin voilà quoi. Pour l'instant, on peut pas, on pourra y aller plus tard. Donc, il est là. Allez. Mange ça. Salut, petit gars. Déplie ta carte. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire d'intéressant? Pote de chat. Ok, pas de chat. As-tu déjà rencontré des blobs, petit gars? Pas des bobs, comme les chapeaux. Non, des blobs. Tu sais ces monstres gélatineux dégoûtants qui te sautent dessus si tu t'approches? Eh bien, cette île en est remplie. Si tu n'en as jamais vu, c'est l'occasion ou jamais. À propos, j'ai vu que le pharmacien de Mercantile passait souvent. Je me demande bien ce qu'il vient faire ici. C'est tout pour les infos. Ah!
Ah, un truc intéressant, hein, ma foi. Ma foi, c'est drôle cette expression. Hélas, c'est bleu, orangé. Ça se ternit de plus en plus pour laisser place à la nuit. Ouais. Oh là là, ça disparaît. Et voilà, on arrive la nuit. On va prendre cette bouteille. Ça nous en fait beaucoup, hein. Ah, ça pour les figurines Nintendo. On les regardera tous une fois qu'on pourra vraiment commencer la quête. Et il y en a là aussi. Donc on va prendre tout ça. Hein. Oh là là, et encore ici. Si c'est pas merveilleux. Ah, je l'ai raté. Bon, tant pis. Hein, eh. Allez, on prend cette bouteille. 10, on en a. Je ne sais pas combien on peut en avoir au maximum. Peut-être une infinité. Alors, les enchères, c'est parti. Quoique, on va faire d'abord quelques petits trucs avant. Enfin, on va voir si on peut pas faire quelques petits trucs. Parce que bon, alors ici par exemple, c'est quoi déjà? Faut que je me souvienne. Ici. Ah oui, c'était le mini-jeu. Ouais. Ok, je me rappelle. Mais ça, on a tout fait, il me semble. Alors, après. Donc, on arrive ici. Ah, qu'est-ce qu'il a, lui? Belle nuit, n'est-ce pas? Nous sommes ici sur une grande roue avant. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comme les vents ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner. Le vent souffle vers l'ouest. Ouais, et... Alors ici, je peux pas y aller. Vers l'ouest. Ah, alors attendez. Non, 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 non. Ah, alors, on voit la position de Link. Attends, et attendez, la position du moulin, c'est ça le moulin en fait. Regardez, c'est ça. C'est ce qui est au-dessus de moi en gros. Et pour le faire tourner, ouais, j'ai ma petite idée. Alors. Ah, j'ai raté. Ah, je suis pas très en rythme. Très en rythme. Alors, pour le faire tourner, si je le mets au sud-ouest. Oh, ça a l'air pas mal. Non, il veut pas tourner. Il veut pas tourner. Ah! Il faut... Ah ouais, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Oh, ok, on est atterri là. Ouais, il faut appuyer sur un bouton. Regardez, attendez, il est quelque part. Il y a une échelle quelque part et il suffira d'appuyer sur un bouton. Où il est? Où elle est cette échelle déjà? Je crois qu'elle est ici. Alors attendez. Ouais. Ah oui, c'est ici. On va voir si le... Regardez, regardez. Ah, oh, je m'en rappelle de ça. Je ne sais plus ce que ça fait après, hein. Quel objectif on a à faire ça. Alors. Ah hein. Ok. Bon bah on va recommencer. On va le mettre à l'est plutôt. Et là. Ça veut pas tourner, hein. Bon, on va pas faire tout quand même. Et allez, je rate. Ouh là là, bon. Au nord ou à l'ouest? Ça tombe, c'était bon à l'ouest. Il bouge, mais difficilement, hein. Bon. Je ne sais pas, moi. On va faire au nord.
On va pas tout faire quand même. Oh non mais hé. Hey. Ah, c'était le nord. Oh. On a réussi. On a réussi. Super. Ah, ça c'est parfait. Oula, il s'est fait un petit peu mal à ses genoux, hein, Link. Pauvre Link, va. Pauvre Link. Bon, alors, on va monter. Je me rappelle plus, hein, franchement, de ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Belle nuit, n'est-ce pas? Mais, tu as vu? La grande roue s'est remise à tourner. Je me demande qui a bien pu la remettre en marche. Je ne sais pas qui c'est, mais n'empêche, il y a quand même des gens gentils, hein. Tu devrais en profiter pour monter dans une gondole et faire un tour. Tu verras, la vue est magnifique. Bah, c'est parti. Bah, on attend la prochaine gondole. Allez, hop. Et à quoi ça sert? Je ne sais plus à quoi ça sert. Ah, on va arriver de l'autre côté. En attendant, oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est beau, hein. On voit perte de vue. Ah, et normalement... Attendez. Ah, et on peut aller... Ah, et on peut aller ici. Et oui, regardez. On est carrément ici, en fait. Et c'est quoi l'intérêt, déjà? Ah! Ok, c'est pour aller ici. Bah, comment je vais faire, là? Comment je vais faire? Attendez. Ah! Oui! On a réussi! Oh! Oh, super! Oh, plein de rubis. Alors déjà, ça sent bon. Et je crois qu'ici... Et ouais, regardez-moi ça, là. Oh là là. Oh, ça va être un gros rubis à tous les coups. Oh non, c'est une carte au trésor. Super. Alors... Laquelle c'est? Carte de Tingle. Ça, je vous rappelle. Ça nous servira, hein, pour un petit peu plus tard. Alors. Alors, on ne connaît pas cette île, je crois. Et ici? Ah, 50 rubis, ben c'est parfait. 449. On a encore des rubis en plus. Alors, où ça nous mène, ça? Oh là là! Ah, d'accord! Ça nous amène ici. Je sais pas si on a le droit la nuit. Et attendez! J'ai cru voir deux personnes. Attendez, attendez. Tiens donc. Je vais les effrayer! Oh! Cela fait une bonne dizaine d'années que nous menons ensemble des recherches sur la photographie. Splendide! Hé! Qui va là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as vraiment fait peur! Ouais, et? Et d'abord, par où es-tu entré? Je ne t'ai absolument pas vu. Bah, c'était le but, hein. Quoi? Je ne suis venu que pour me faire prendre en photo. J'ai toujours été une passionnée d'images. Je sais que de vilains bruits courent, mais ce ne sont que de fausses rumeurs. Tu veux te faire prendre en photo? Bah, je vais te prendre en photo. Ah, je peux pas? Ah, si, je peux. Et tu veux que je te montre ça maintenant? Montrer ce cliché. Pour prendre... Ouais. Ouais, d'accord. Bah oui, mais c'est bon.
Oh bah je vais l'acheter. Hein, ce... Je vais jeter ce... Ah, à chaque fois je me trompe. Effacer. Ouais. Bon. C'est bon, on va pouvoir enfin faire encore des enchères. On va voir. Alors, les enchères. Oh, quoique. Oh, j'ai envie de faire durer l'épisode, écoutez. Par où ça serait intéressant... par où on... Bah... Où on pourrait aller avant de faire les enchères? Ici, qu'est-ce qu'il y a déjà? Ah oui. Ici, c'était un riche. Ah ouais, il recherchait sa fille, c'est vrai. Qui est emprisonnée dans la forteresse maudite. Qui est prisonnière même, ouais. Alors, il dit quoi de lui? Au fait, le rez-de-chaussée de cette maison est utilisé comme salle des ventes. Ouais, je sais. Tu peux y assister. Ouais, bah. Attendez. Il a son lustre. On peut? Ah non, on peut pas s'y accrocher, dommage. Alors, tiens, 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 vous revoilà. Allez, on va reparticiper aux enchères. C'est parti. Alors là, on a 449 rubis. Bien, 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 je tiens tous à vous remercier. Alors, l'objet mis en vente ce soir est un pendentif du bonheur. Oh, c'est pas encore ce que je recherche. On n'y arrivera jamais. Alors, la mise à prix est de 40 rubis. Ok. Bon, bah, on va y aller doucement, hein, comme dans le dernier épisode. 43 rubis. 46 rubis. Quarante-neuf rubis. Doucement. Doucement. Eh! Oh là là! Il va falloir faire attention. Oui, ce n'est pas fini. Soixante-dix-sept, 81. Moi, j'ai pas envie d'ellipser ça. Hein. J'ai pas envie de faire une coupure ou quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien vous montrer le jeu. Bah, sans montage. En fait, ce que je fais là, c'est comme si je jouais tout seul. Hein. Après, je pourrais bien plus m'organiser lors des épisodes, mais j'en ai pas envie, je fais comme ça me plaît. Et c'est ça le principal. C'est ça le principal. Par contre, là, doucement, hein. Eh, c'est qu'un pendentif! Certes, les pendentifs sont beaux, mais... Bon, voilà. Ah, nous allons bientôt clore les enchères. Encore 5 secondes. Bon, là, on va tapoter. Oh, vite, vite, vite. C'est bon. Alors, on va mettre 170. Non, 175. Non, 170, ça devrait le faire. Oh! Attends un peu, petit. Ils en chérissent plus. Plus. C'est bon. Terminé. Ok. Bah, ça me coûte cher quand même hein, pour 170 rubis. Félicitations, je commence à connaître. Ok. Ouais, mais c'est bien. Tant mieux, tant mieux. Alors, on a encore 279 rubis. Alors, ouais. On va faire... Ouais, on va récupérer quelques rubis, quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais la mise en vente de base du prochain objet à combien il est, hein. Parce que ça peut être élevé. Parce que moi, je veux 7...
cette ce satané item. Bon, 287 rubis. Ici, il n'y a pas de rubis, super. Vous m'arnaquez là. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ah oui, il y a un pot ici aussi. Avec 290 rubis maintenant. Ok. J'espère que le prochain c'est bon. Hein. Ah, il n'y a pas de. Bon. Et là. Ah, et là aussi. Il y a des rubis ici aussi. En général, il y en a pas mal dans ces pots. Ok. 300. On a 300 rubis. Là, on en a encore beaucoup. Oh. Bon, bah on y retourne. Allez. Allez, oui, oui, me revoilà, me revoilà. Ouais, je participe. Alors. Qu'est-ce que t'as à m'offrir maintenant? Ouais. Alors, l'objet mis en vente ce soir est... Oh, enfin, une voile rapide. Ah, il était temps. La mise à prix est de 100 rubis, ça va être chaud, là. Prêt? Oui, je suis prêt. Ça va être chaud, là. Oh, j'espère qu'on aura assez, hein. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ça me fait peur. Et la voile rapide, elle va nous faciliter grandement la vie. Vous voyez toutes les quêtes annexes qu'on a fait en deux épisodes en comptant celui-ci. Eh bien, nous allons le rattraper. Nous allons rattraper notre retard avec cette voile rapide. Par contre, doucement, hein. Bon, ça devrait aller, mais... Ouais, pfff. 136 rubis. Ok, ça va. Ils y vont doucement, hein. Ils sont plutôt gentils, en fait. Peut-être que là, ils vont bombarder. Oh là là, ça commence. Ça commence là. 153. 159. Oh, ça va par 6. Oh là 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 là. Oh, aïe 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 aïe. Ok. Ouais, bon. Non, normalement, ça devrait aller. Je te dis bien normalement. 187. Nous allons bientôt clore les enchères. Ok. Ah, oh bah dis donc. Ils se battent pas hein, pour la voile. Oh, 5 secondes. Bon. Ok. Alors là, on va mettre. Non, on va pas mettre tout ça comme rubis. Hein. Allez, 200. 220 pour être bien sûr. Même 210. 215, allez. Voilà, allez. Oh, oh, oh. C'est bon? Yes! On a la voile rapide. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Yes! Félicitations! Allez, ça gère. Fruit des dernières innovations technologiques, cette voile rendra votre bateau plus rapide que jamais. Mieux encore, avec elle, vous aurez toujours le vent en poupe. Hissez-la pour qu'il souffle automatiquement dans votre dos. Plus besoin de sortir la baguette à chaque changement de destination. Voyager n'a jamais été aussi agréable. Et ça, c'est vrai. Oh là là. Bon, bah, c'est super.
Bonne nuit. Oh là là. Eh bien écoutez, on va à présent tester la voile rapide. On va pas s'arrêter tout de suite. J'ai pas envie. Je n'ai pas envie, franchement. Là, c'est vraiment cool. Allez. On monte. Hop. Et on appuie sur A. Regardez. Attention, je me dirige. Voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est tellement plus agréable. C'est tellement plus agréable. Oh, si vous saviez. Ouais, là, vous vous en rendez compte qu'on va beaucoup plus vite. Et maintenant, on va se diriger au sud, vers notre prochain objectif, c'est-à-dire par là, en fait. Donc, eh bien, c'est parti. On va prendre cette bouteille. Ah ouais, par contre, hein, ça a du mal à tourner, mais bon. Et vous voyez le vent, il vient à nous, en fait. Vous voyez la flèche, elle nous suit. Et ça, c'est cool. Et là, c'est quoi? C'est rien. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Et le jour va bientôt se lever, en plus. Ça va être agréable. Donc, on peut faire cap au sud à présent. C'est parti. Alors. Oh, on va déjà récupérer ça. Allez. Voilà, ça sera sûrement encore 50 rubis. Ah, les étoiles. Rubis, ouais. Très bien, très bien. Et là, le jour, bah, se lève. C'est magnifique. On va prendre cette bouteille. Ouais, on va la prendre pour maintenant. Voilà. Et c'est parti. Alors déjà, il y a une île ici. On va y aller. Et regardez, là, on se dirige vers le sud. Bon, ça va être un petit peu long, hein, cette fin d'épisode, je crois, mais bon. C'est quoi ça? Wow, on va pas s'en approcher. Ah ouais, ça c'est pour... Oh, il y a le poisson ici. Parfait. Voilà, on s'arrête net lorsqu'on lui jette de la nourriture. Salut, petit gars. Je t'écoute, je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors déplie ta carte. Alors, montagne de feu, ok. Ok. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor à l'intérieur de cette île fumante qu'on appelle la montagne de feu. Mais si on veut accoster sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Il y a une petite île à 1 au nord et 4 à l'ouest d'ici sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Ouais, mais on pourra pas y aller pour l'instant. Parce qu'en fait, le rouge, il nous dira qu'il faut qu'on se dirige vers notre prochain objectif. Donc, un en haut et quatre à droite, à gauche, à l'ouest, du coup, ça serait ici. Et attendez! Alors, attendez. Ici, il n'y a pas de trésor, ok. Je regarde, je vais comparer. Non, non, non. Non. Non, non, non. Non. Pour l'instant, non, hein. Du coup, voilà. C'est bon. On va aller ici. On ne sait jamais. Oh, il pleut. Oh, il pleut. Oh là là, c'est pas bon ça. Bon, ouais, je suis pas obligé. Oh, arrête-toi! Arrête-toi. Oh là, hé! Waouh. Il y a des explosions là, carrément.
Carrément, hein, mais... Eh ben, c'était long, hein, la petite marche. Enfin, la petite montée. Ok. Et là, on a un trésor avec un rubis jaune. Bon, c'est toujours ça. De prix. Bon, moi, je vais y aller comme ça. Dommage qu'on n'atterrisse pas sur Lion Rouge direct. Oh, on nous jette des boulets de canon. Alors, je regarde. Ok, bon, c'est pas là. Quoique, il y a quoi par là? Bah, là, on s'éloigne en fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a déjà? Oh non! Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, mais je peux rien faire là! Oh non! Qu'est-ce que je suis censé faire là déjà? Attendez. Ah, peut-être le chant du soleil. Je ne sais pas. Hein. Ah bah non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? On va se faire manger, ça sert à rien. Oh là 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 là. En plus, on n'a rien pour le contrer. On n'a rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va se faire... Bon, on est obligé d'attendre, hein, je suis désolé. Allez, aspire-moi pour de bon, hein, et puis voilà. Ouais, on peut pas bouger, on peut rien faire. On est pris au piège. À moins que je peux absolument rien faire. Je peux absolument rien faire. Genre lui donner à manger ou je ne sais pas moi. Attendez. Oui, je vais plutôt équiper ça. Ah ouais, on a un flacon aussi. Si je fais ça, ben ça fait rien. Non, ça fait rien, mais ça sert à rien. Oh là là. Parce qu'en fait, ouais, c'est un calamar géant. Et ouais, bah on n'a pas le choix en fait. Et son point faible, ce sont ses yeux. Bon. Est-ce qu'on perd un cœur à cause de ça? Oh là là! Et attendez, où on est là? Ah d'accord, on est ici. Oh, mais sérieux. On n'a pas eu de chance. Bon, heureusement que ça n'a pas duré des plombes. Ah non, mais ça va recommencer, hein. Ah, en fait, là où qu'il y avait des mouettes, eh bien, il y avait le calamar. Et je crois qu'il nous l'avait dit, celui de Mercantile. Ah d'accord, au moins, ben, on le saura. On le saura. Oula, on va éviter de se faire prendre. Il y a une île ici. Ah bah, il y a le poisson. Il y a le pigeon. Oh! Il y a eux aussi. Je peux pas leur parler de là. Attendez, il y a rien qui s'affiche? Ah, je peux pas. Ah, attendez. Non, mais je voudrais leur parler. C'est pas possible. Bon, eh bien, tant pis, hein. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, ça va déjà être la nuit. Oh là là, ça se passe super vite. La marée. Marée. Pour vous diriger vers l'île de la bombe, poursuivez votre route vers le sud. Ouais, ok. Bon, il y avait rien de spécial à faire ici. Du coup, alors lui, on va lui donner à manger. Voilà.
Ah, on a perdu un demi-cœur. Ouais, ok. Alors, salut petit gars. Je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Ouais. Île triangulaire de l'Est. Bon, ça me dit rien, hein, cette île. As-tu déjà capturé une fée, petit gars? Une fée qui peut te venir en aide quand les monts... Ouais, bon, ça par contre... Si tu penses... Bateau puant au sud. Ah, d'accord. Adieu. Bah, on va continuer à se diriger vers le sud. Ah! Il y a un halo lumineux ici. Allez. Il se trouve ici, voilà. Allez, ouais. Ok, un rubis violet. Bon, bah, je m'en doutais un petit peu. Alors, voilà, et ici, ouais. Alors là, on n'est plus très loin. On est à une case de notre objectif. Alors déjà ici. Oh, il y avait un calamar. Ah, il fallait peut-être sauter. Mais on pouvait pas. Pour échapper au calamar là. Bon, cette île est un petit peu lointaine. On va pas pouvoir y aller pour le moment parce que Lion Rouge, il nous dira. Tu ne peux pas encore aller sur cette île, mais ouais. Oh. C'est quoi ici? Ah, oh, je suis curieux, hein. Moi je visite tout. Bon, pour une fois, c'est un long épisode, hein, mais bon. Les précédents étaient bon, à 35 minutes, 30-35 minutes. Mais bon, la moyenne c'est entre 30 et 40. Waouh! Oh! Alors, déjà, on a le poisson ici et on a un bateau ici. Eh ben, comme ça il va pouvoir nous donner des infos sur cette case là. Île de la bombe. Ah, viens un peu par ici une nuit où le ciel est éclairé d'une demi-lune sur la droite. Oh là là. Ah bah ok, j'ai des frissons, bah c'est normal. D'une demi-lune vers la droite. Y'a pas une lune vers la droite? Bon. Attendez, je regarde. Bon, on peut pas voir comme ça, on peut pas tourner. Ouais, c'est ce bateau là. Écoutez ça. Et là, il disparaît. Ah ah ah. Ah, ça fait un peu... Bah, non, ça fait pas peur, hein, mais... Mais bon, c'est quand même étrange, hein. Il est quand même très étrange ce bateau. Alors toi déjà. Voilà. On n'en parle plus. Un petit peu de rubis. Et ici. On a un vieux bateau. Un espèce de vieux bateau. Oh, il y a plein d'ennemis en plus. Bon bah. Je vous rappelle qu'on met en mode héroïque et... Oh là 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 là, ils nous valent tous nos yeux. On récupère nos rubis vite fait. Voilà. Ah, hey. En plus, ils nous font deux fois plus de dégâts. Et ça, c'est vraiment chiant. Hein. Oh, toi, tu vas venir ici. Alors, ah, non. Ok. Ah, hey, il est pas mort, hein, en plus. Mais tu vas mourir. Ok. Ah, super. Un trésor. J'espère que c'est un bon. Oh! Un pendentif du bonheur. Oh là. Un flacon! Ah, mais super! Oh non, mais arrête, toi! Oh, j'ai plus beaucoup de cœur, super. Y'a pas d'effet ici. Bon, Eh ouais, là. Faut faire bien attention. Oh, vite! On se casse d'ici. Ok. Oh, on est atterri direct. C'est parfait.
On peut aller là. Attendez, ici c'est quoi déjà? Ah bah oui, c'est l'île. On peut pas y faire grand chose, je crois, hein, là. Je vais regarder vite fait. Oh, l'épisode va être super long, par contre. Désolé, mais. Ah, tiens. Oh, je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. À l'intérieur. Ah, c'était peut-être où qu'on vient d'aller. Et ici, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bah, il n'y a rien de spécial. Hein. Bon, on va retourner à notre bateau. Il se trouve là. Et allez, c'est parti. Ah, le jour va se lever. Allez. Est-ce qu'on récupère ce... Ouais, on va récupérer, allez. Ah, moi je fais tout, hein. Je fais tout, je suis désolé. Je fais le plus de choses possible pour assurer ma survie. Hein. Ah ouais, non mais... Un rubis violet. Ah, c'est déjà bien. Hein. Écoutez, c'est déjà bien. Alors... Bon bah là, ça va être bon, hein. Y a des mouettes ici, ça me rassure pas. Et là, on se dirige vers cette île, mais de nuit. C'est un petit peu bizarre, hein. Enfin, là, c'est presque le jour, mais on arrive de nuit. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Terre en vue. Voici l'endroit où tu dois te rendre, l'île aux forêts. Et voilà. On est arrivé, enfin. Cette île ressemble à un grand arbre qui s'élèverait au milieu de la mer. Mais à l'intérieur se trouve, paraît-il, une forêt où habite l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Va trouver l'arbre Mojo et demande-lui de te remettre un autre joyau. La perle de Faror. Ouais, mais ça va pas être si facile que ça. Ganon risque fort d'avoir mis son emprise sur cette île également. Fais bien attention. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce long épisode vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils, à donner votre avis, comme d'hab. Et on se retrouvera pour visiter cette île aux forêts et voir l'arbre Mojo. Allez! Bye tout le monde !